E C'est solidaire d'abord. Vous entendez qu'on est quatre autour de la table. Donc euh, aujourd'hui, Alain, hein, fidèle au poste. Ben on essaye. Hein. Ouais. Euh, Florence. Bonjour. Oui. Denis. Bonjour. Bon et, et moi. Bonjour. Euh, donc voilà, on, on va essayer de parler comme d'habitude un petit peu autrement de l'actualité que ce qui se fait sur les, sur les chaînes mainstream. Et donc là, on est dans une actualité chaude, bouillante même, hein, puisqu'il euh, y a cette, cette motion de censure qui pourrait être votée dans les minutes qui viennent. Hein. Euh, voilà, alors pourquoi cette motion de censure ben, Parce que, euh, entre autres, cette société euh, va mal. Et donc on, on va parler en, du 49.3 dans, dans deux minutes, on va un peu épucher. Tout ça, voir pourquoi cette société va mal, ou en tout cas à notre sens. Mais peut-être avant tout, tu pourrais, Denis, nous parler un petit peu de ce monsieur qui s'appelle Nicolas Framont et qui a écrit un bouquin euh, les euh, sur les parasites. Les parasites. Alors, les parasites ne sont pas ce que l'on croit. Hein. Le véritable classe parasite, c'est celle qui est située au sommet du corps social, nos élites. Là. Cette classe bourgeoise qui a envahi la, so la société tout enlève, rachetant les, les médias. Donc on les voit, les Bolloré et compagnie, en, ils sont là, finançant ces hommes politiques, exploitant ces travailleurs au plus bas prix possible. En retour, cette classe ne nous rapporte rien, pire, elle nous coûte bien plus cher qu'elle nous rapporte. Elle nuit plus qu'elle brille, elle nous mène au désastre écologique, car elle est incapable de vivre sans accumuler. Moralement, elle est au naufrage. Pourtant, chaque jour, elle est décrite sur nos, sur nos radios, nos chaînes de télévision et dans nos journaux comme un groupe social indispensable à notre survie. Foutaise. Ce livre, donc de Nicolas Framont, ce livre nous démontre clairement non. Les 500 familles les plus riches de France ne sont pas composées de dynamiques entre entrepreneurs qui ont pris des risques. Non, elles ne créent pas d'emplois, non, elles ne font pas du bien, oui, on pourrait vivre sans elles, sans leur règne. Nicolas Framont commet ici un ouvrage fouillé et radical pour contribuer à détruire cette croyance en, les super, en la supériorité de nos maîtres et donner des arguments à la prochaine révolte d'ampleur qui appelle de ses voeux. Voilà, ouais. on y est peut-être. Alors, tu n'avais pas beaucoup de lumière, alors tu n'arrivais oui, pas oui, oui. À bien à bien ça, lire. Ça brille le livre. Ouais, le... Bon, voilà. Alors, donc, ce Nicolas Framont nous explique que les parasites, c'est pas ce qu'on croit, parce que c'est vrai que les, télé, les chaînes de télé, tout ça, en permanence, nous explique qu'en qu gros, il y a, y a des gens qui touchent au chômage. Non, mais des, des gens qui touchent la retraite. Non, mais je sais pas si tu vois, quoi. Ça coûte un pognon de dingue, tout ça, tu vois. Et bon, bah oui, mais ces gens, justement, qui ont beaucoup, beaucoup d'argent touche aussi beaucoup, beaucoup d'argent de la part de la République. Et la République, c'est qui qui donne l'argent à la République la République, c'est nous. Bah, c'est nous. 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 Ouais, voilà. Donc, c'est nous qui lui ordonnons du pognon, et c'est donc eux les parasites. Et il, il, même à un endroit, il écrit euh, qu'est-ce que c'est un parasite Un parasite, c'est quelque chose qui se sert, qui se nourrit d'une espèce, tu vois. Euh, ouais. C'est quelque chose d'une espèce qui n'est pas la même, qui se nourrit de, 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 des autres. Et, et, et tu et l'as voilà, Qui vit et qui vit, et qui vit et, sur le dos de vit Au dépend ouais. de cet euh... organisme, organisme qui se nourrit strictement au dépend d'un organisme hôte. Une, autre, une espèce différente. Voilà. Et donc, oui. eux, ils nous, ils nous prennent pour... C'est eux qui nous expliquent qu'on est une espèce différente. Mais en fait, ils se nourrissent sur notre dos et c'est eux les vrais parasites. Oui, Florence, excuse-moi. Euh, ce que je voulais rajouter, c'était le fait que ces parasites-là, en fait, justement, pour pouvoir continuer à exister en tant que parasite et donc à, à nous, nous, nous sucer la moelle hein, pour pour ouais. dire les choses très clairement, euh, bah, une montre en fait qu'ils dépendent de nous. Et donc euh, que, que le, le jour où euh, on décidera de dire euh, bah, stop à, à ce système-là, et en particulier à ces 500 fortunes hein, dont, dont parle Nicolas Framont, euh, eh bien alors euh, le, les, les choses seront réglées par nous. Et ça renvoie effectivement à ce que tu disais, Denis, au fait que bah, la République, euh, République c'est nous. Et, euh, et ça permet de faire, je trouve, une très bonne transition justement à, à l'utilisation, euh, on ne peut plus euh, injuste et illégitime justement, du, du 49-3 de, de, du, du gouvernement, euh, puisque là, il s'élève contre tout un peuple, ou du moins contre 90%, si mes souvenirs sont bons, euh, de, de salariés qui sont contre la réforme de retraite. Euh, et euh, et aujourd'hui, on est à 75% de gens euh, qui de demandent ouais. euh, que le gouvernement soit, ouais. soit renversé. Alors ce 49-3, c'est dans euh, la Constitution. Alors c'est dans la Constitution de 58. C'est la Constitution qui a été écrite par De Gaulle, ça. Alors oui, ce 49-3, on peut se poser la question comment est-il arrivé à s'imposer dans l'histoire politique de la France? Alors c'est sous la Quatrième République en fait que les députés faisaient un peu n'importe quoi. Ils changeaient d'avis fréquemment. C'était plus une stratégie politique de prise de pouvoir qu'un désir d'une réelle gestion des problèmes du moment. Et la France devenait ingouvernable, un petit peu comme, comme aujourd'hui, hein. oui, un, un peu compliqué. Parce hein. que là, on est dans un moment insurrectionnel. Ce n'est pas est, tout à fait la même chose. On est dans un moment, un moment insurrectionnel, oui, 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 hein, où les choses deviennent très compliquées. Euh, et en pareille circonstances, donc là, pour la 4ème République, hein, euh, le pouvoir euh, glisse euh, des ministres vers les hauts fonctionnaires. Et c'est un peu ennuyeux, parce que même si les hauts fonctionnaires ont des bonnes connaissances politiques, économiques, sociales, euh, mais ils ne sont pas quand même des élus. Alors hein. les, les hauts fonctionnaires, c'est ceux qu'on peut appeler les technos, d'ailleurs. Hein oui, quand quand on sont, parle de technocrates. Tous ces gens, disons, euh, qui sont... Euh, des parasites. Les, <laughs> des parasites, <laughs> voilà. Tous ces gens, disons, qui maîtrisent très bien, qu'on qu appelle parfois experts, oui, et, et qui, qui sont, en fait. sont salariés, bien sûr, ouais. de l'État et payés par nos impôts, comme on le disait tout à l'heure. Ouais. Hein. Alors ceci afin de permettre à un gouvernement de résister euh, à un... Un parlement stratège euh, dissolu, infidèle et, et oiseux. Ouais. Et le 49-3 a pris corps donc après sous la Ve république. Ouais. Voilà. Et donc pour permettre que euh, on empêche. Justement, ces mouvements qui pouvaient y avoir pour récupérer un peu une petite part de pouvoir. Ces, ces mouvements, disons, qui euh, au fond euh, étaient là pour des fins personnelles, euh, oui. de pouvoir, de prise de pouvoir, et qui n'étaient pas du tout dans un souci de gestion euh, de la France et, euh, et des et des, euh, des, des, des choses difficiles à vivre par rapport au peuple, ou, ou bien des acquis euh, qu'on avait. Mais ou, sauf, à sauf à que là, maintenant, euh, elle est utilisée par quelqu'un qui, qui accapare le pouvoir pour lui tout seul, en fait. Hein Alors oui, oui, oui c'est un homme disant seul qui, euh, ouais. qui gouverne seul, ça c'est ouais. certain, hein, et qui, qui se trouve quand même quelques sous-fifres euh, oui. comme du sop ou comme borne, ouais. hein, disons pour mettre en application ses désirs. Ouais. Mais c'est un capricieux. Ouais, voilà. Alors qu'est-ce que tu voulais dire, Florence Ah ben bah moi je voulais ajouter que non seulement Macron euh, enfin, gouverne seul, mais euh, il, il, il gouverne même contre le peuple euh, et c'est là où le, le, la situation devient dangereuse <coughs> en ce que euh, euh, la, la, comment dire la, la notion même d'état de, de droit de, de, de république est, euh, est mise en question euh, à partir du moment où euh, il s'agissant donc de cette réforme des, des retraites qu'on pourrait appeler d'ailleurs une contre réforme des des retraites, euh, s'assoient très tranquillement sur euh, l'esprit des droits fondamentaux de, de l'homme, puisque euh, le, la dignité humaine et euh, l'émancipation euh, qui est quand même chère et qui a fait surgir hein, c est, c est cette idée de, de constitution, puisque une constitution c'est ce qui organise les pouvoirs, mais c'est aussi là-dedans que on trouve les, les, les textes fondamentaux qui euh, qui qui régissent et qui euh, définissent précisément euh, aussi une une république et, et on sait que on fait société en fait c'est ça, ça exactement exactement quoi et euh, et à un moment donné euh, on peut comprendre effectivement que que les gens qui entendent euh, à la fois des discours mensongers puisqu'on nous explique euh, deux heures avant euh, le l'expression le, mmh. de et la prise de parole de la ministre jeudi euh, que non non on n'aura pas recours euh, à cet outil euh, qui le 49-3 puis finalement on l'utilise. Bon ça c'est juste le dernier mensonge en date. Mais euh, il me semble qu'il y, y, y a quelque chose de, de dangereux en ce que pour qu'une république fonctionne, il faut quand même qu'il y ait une confiance des, des administrés, des citoyens. Or là la confiance, ne serait-ce que de la confiance dans la parole, c'est terminé. Pour, pour le, le, le gouvernement dans, dans sa totalité. Ça fait trop longtemps qu'ils nous racontent des histoires, et pas que d'ailleurs sur cette, sur cette réforme des retraites, et surtout qu'ils sont complètement sourds aux attentes justement de, 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 de millions de Français qui savent que si cette réforme est mise en place, eh bien on leur vole deux ans de, de oui. leur vie et donc de, deux ans de bonheur possible aussi. C'est le centième 49.3, c'est le dixième de, de borne, je crois. Le onzième, onzième, onzième de le borne. Borne, ouais. donc c'est donc peut-être celui de trop. Peut-être. Ouais. <laughs> On va voir comment ça se passe cet après-midi. Mais en tout cas, le pouvoir vacille, ça c'est sûr. Alors que, il y a une semaine, je sais pas, tenez-vous bien, je vous assure que c'est vrai. Il y a une semaine, moi je regardais sur, sur une chaîne publique, je dirais pas laquelle parce que la pauvre, vraiment c'est tellement terrible ce que je vais dire. Il y avait un, une, une interview de plusieurs personnes et le, le titre de l'émission, très très sérieux, hein. c'était mais pourquoi Berger s'obstine. Tu vois, c'est-à-dire pourquoi Berger continue à, à être vent debout cette réforme, etc. Mais il est fou, quoi. Quelque part, c'était vraiment Berger, il est fou. Et une semaine plus tard, on, en, on est presque à. Mais pourquoi Macron s'obstine hein Donc, donc en, en une semaine, ça peut basculer comme ça. Ça montre à quel point les médias sont complètement délités. Enfin, je trouve qu'ils sont complètement à la rue. Ils, se, ils, ils peuvent être comme ça, ballotés d'un pouvoir à l'autre. Là, pour l'instant, on a ce petit moment insurrectionnel, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que d'un seul coup, le pouvoir n'appartient plus tout à fait à Macron, comme il était de fait complètement dans ses bras il n'y a, a pas si longtemps. Et d'un seul coup, les médias savent plus où ils en sont, quoi. En fait, ils sont, ils sont perdus. De toute façon, le gouvernement en ressortira pas intact, hein, même si la motion de censure euh, n'est pas votée. Hein, euh, je pense qu'il en sortira pas intact. Hein. C'est oui. pas possible hein, oui, parce que possible. là ils sont fragilisés quand même, ouais. euh, comme disait Florence avec des, des mensonges successifs. Euh, on, on se rend compte que, disons que cette réforme qui est une régression sociale qu'une réforme, hein, euh, disons, elle n'est pas la p du tout, du tout pour, pour servir les gens, mais au contraire pour servir le pouvoir, et le capitalisme. Hein. Mais ils sont pas sans d'affaires hein. Ils sont pas sortis d'affaires. Faut pas oublier que le Conseil constitutionnel a été saisi et que euh, le, pour faire un RIP euh, référendum d'initiative partagée euh, ça a été lancé aussi. Donc euh, régi, le réforme le RIP c'était déjà fait pour ADP. Oui mais justement ça a été une vraie catastrophe Oui oui, oui C'est à dire, enfin euh, que je m'explique un tout petit peu excusez-moi euh, donc on a vu, on, on voyait les, les compteurs des, des votes pour le RIP hein. je sais pas si vous vous souvenez euh, à un moment c'était en septembre, alors on avait euh, 700 000 votes et puis en, 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 en octobre on avait 750 000 votes alors, en, en, en un mois on avait pris que 50 000 alors qu'en deux mois on avait pris 700 000 et puis euh, en, en novembre ben, on on était retourné à 700 000. Donc ils effaçaient des votes au fur et à mesure. Enfin, ça a, ça a été pitoyable. Le, ouais, total. le, ministère, le ministère de l'Intérieur, enfin le ministère ouais. de l'Intérieur qui gérait le, les, les, le les votes. Donc, voilà. voilà ouais. ils, ils ont changé la règle en cours de route. Euh, ouais. Voilà. Il fallait remplir des papiers. Euh, C'est jamais rempli comme il faut, soi-disant. Ça a été la galère. Hein. Ouais. C'est la guerre et ça risque de se reproduire. Maintenant, maintenant ADP, c'était les aéroports de Paris, c'était une chose. Maintenant là, c'est pas du tout pareil. C est, c est les, les politiques risquent de, de mêler beaucoup oui, plus que pour ADP. Oui, parce qu'il y avait aucun, où, par contre, pardon, il avait, avait aucune censure de, de enfin, il n'y avait aucune présence des grosses pointures politiques pour pour pour. Non, oui. Aller dans le sens de ADP, en fait. Il y avait beaucoup d'intérêts financiers pour ADP. Hein. Il y avait oui, beaucoup, de, beaucoup de, 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 de kilomètres carrés, on va dire, voilà. constructifs de, même, à, à Paris. Plus, plus de 1 million, un million de signatures euh, qui ont été validées. Mm -hmm. et, et là, il s'agit vraiment de, de contrecarrer une loi qui, euh, qui touche euh, le, le plus grand nombre et, euh, et qui risque de, de, de meurtrir davantage dans, le, dans, dans les chairs. Euh, et donc du coup qui concerne vraiment tout le monde. Alors j'ose espérer, si, si, si on devait en arriver là, que, euh, que ça pourra fonctionner. Quoi. Et, et qui touche les plus, euh, les, les plus fatigués, je dirais, c'est-à-dire ceux qui commencent le plus tôt, hein, mm -hmm. euh, et, et où les corps sont usés. Et, et qui peuvent pas faire euh, deux ans de plus, c'est pas possible. Quoi. Oui, et... mais tu, tu comprends ce que nous explique Nicolas Framont aussi, dont on a parlé tout à l'heure, dans son bouquin. Il nous explique que ces parasites, ça va très très loin, parce que l'ennemi est aussi intérieur. Mais ça, on le sait tous, parce qu'on sait que BFM TV, par exemple, qu'on qu écoute très facilement, etc., ben, ils, ils sont pas en train de nous expliquer la, la vie euh, pour, pour, pour nous les uns et les autres. Mais on a en même temps, en même temps, puisque c'est le mot qu'emploie qu notre, notre maître, hein, quelque part, euh, on a Monsieur Eindhoven, par exemple, philosophe qui vient nous expliquer la vie et vient nous expliquer que le CICE, c'est très bien pour nous, euh, pareil qu'un Nicolas Bouzou, hein, économiste, etc. Et tous ces gens-là sont au service de ce pouvoir. On peut citer aussi Bernard Lévy. Hein. Oui, bien sûr, ouais. oui, oui, oui. il y en a plein. Oh. Donc, donc des soi-disant experts, comme tu disais tout à l'heure, Alain, hein, et qui sont là euh, pour, pour nous expliquer euh, l'ennemi invisible euh, qui qu sont en train de. Ils sont en train de se battre après, hein, puisque souvenons-nous, il y a dix ans, euh, Hollande nous parlait de ça, mais en même temps, en même temps, toujours, il nous parlait, euh, mais pas vraiment officiellement des sendants. Et donc, quand on mélange tout ça, c'est explosif, quoi. Ils nous méprisent, en fait. C'est hein, ça. Et, et... Ouais. En fait, ce qu'il y a de, de commun là entre euh, tous ces experts, hein, qu'ils soient euh, issus du domaine des sciences humaines ou euh, du domaine euh, économique, c'est que ce sont, et j'emprunte euh, l'expression euh, à Serge Alimi. Euh, bah, ce sont les, les nouveaux chiens de garde du du pouvoir. Hein. Ils sont uniquement là pour euh, pour faire en sorte à ce que justement on nous répète de, de façon incessante tels des, des slogans. Que euh, la, la, la politique dominante du, du moment, euh, c'est celle qui, euh, qui est valable et c'est la seule valable. Bref, qu'il n'y a pas d'alternative possible. Alors, Les Nouveaux Chiens de Garde, hein, euh, ça, ça vient donc d'un texte écrit par, par Serge Alimi, dont un, un admirable documentaire a été fait, d'ailleurs, à partir de, de ce texte. Et lui-même, Serge Alimi, en fait, a emprunté en quelque sorte ce titre à partir d'un texte d'un autre auteur qui s'appelle appelé pardon, polonisant, qui lui avait écrit euh, Les Chiens de Garde, et en expliquant que bah, les Chiens de Garde du moment, c'était justement des philosophes hein, qui, euh, qui devaient donc, euh, euh, comment dire, exprimer et, et, euh, seulement le, le, le savoir académique, et que par conséquent, tout, euh, tout le, tous les philosophes qui avaient une pensée alternative à, à cette pensée-là, du moment, étaient quand même. Euh, Sinon, pas enseigner, ou en tout cas euh, enseigner très très rapidement. De la même façon que sur nos plateaux euh, de, de BFM et d'autres, euh, on voit très rarement, par exemple, euh, des Frédéric Lordon, comme, euh, qui sont oui, qui oui, est pourtant oui. économistes oui. aussi, euh, oui. bah, et philosophes. Bah, on ne les voit pas. Voilà. Comme disait Marcel Proust, je me méfie de ceux qui savent, je crois. Ouais. <laughs> ah, oui, oui mais, et, et donc. Pour rebonder dans ce que tu dis sur ce que tu dis, Alain, il y, y a aussi le fait qu'ils sont sémantiquement d'accord. C'est-à-dire qu'il y a tout à la fois le vocabulaire qui est utilisé et, et les concepts, évidemment, et, et et d'une certaine façon, ils sont en train de vendre le, le, le pays à la découpe, l'industrie à la découpe, à, tout, tout ça pour, pour enrichir certains. Enfin bon, c'est scandaleux. Moi, je, je, je me demande si un jour, on pourra juger ces gens-là. Parce que je pense que le réveil va être très très dur. Hein. On va se retrouver avec une, une dette, pour le coup, vraiment abyssale. Parce que en ce moment, encore en ce moment, ils sont en train de donner du, un pognon de dingue à des total énergie, etc. Des gens qui, comme pouillané, euh, augmente son salaire de 10% parce que vous comprenez le coût de la vie quand même. I imaginons quoi, le Pouillané, euh, il a besoin d'augmenter son salaire parce que le coût de la vie augmente. Quoi. Il faut quand même rappeler qu'il euh, qu gagne 520 000 euros par, par mois. Par mois Par mois. Ouais. <laughs> 520 000 euros. C est, c est, on est dans, dans les, la démesure. ouais, ah ouais mais... mais le SMIC, il a monté, son jardinier il coûte cher il doit coûter très cher, oui. Il doit être vraiment reconnu le jardinier. Alors je t'interpelle aussi, Florence, sur, sur, sur euh, ce que ça veut dire euh, dans son bouquin, Nicolas Framont. Il parle aussi de de quelque chose qui est euh, qu'on entend souvent sur BFM ou ailleurs. Euh, comment on va s'en sortir Donc euh, quelque part, c'est pour euh, c'est pour dire, il euh, bah, y, y a les gens qui, qui cherchent à s'élever, qui essayent de se sortir de leur milieu ou s'en sortir dans la vie. C'est-à-dire comme si on était tous de la merde et qu'on tous dans la merde et qu'il fallait à tout prix qu'on arrive à se sortir de notre propre milieu pour arriver à s'élever à aller ailleurs. Mais moi j'ai des valeurs, merde, dans ma merde et j'aime ma famille, j'aime mes amis, etc. Et j'ai envie de construire des choses avec eux. J'ai pas envie de me sortir de ce milieu là, quoi. Alors justement, je trouve que tu as utilisé une, une belle expression. Tu as parlé euh, euh, et c'est vraiment à distinguer. Euh, on est pris pour des merdes, c'est pas du tout la même chose que d'être dans la merde, mmh. c'est à dire que si euh, s'élever c'est sortir de la merde au sens des conditions matérielles parce que précisément j'ai pas les moyens justement de, de me nourrir euh, dignement convenablement alors euh, bah, là là oui là euh, c'est impératif justement de, de, de sortir de là et euh, c'est précisément par une république sociale et euh, qui va promouvoir la justice sociale qu'on pourra s'en sortir en revanche souvent quand on est considéré comme comme une merde c'est précisément parce qu'on n'a pas les valeurs qui sont attendues conformément à celle justement de, de, du pouvoir en place et, euh, et c'est là où je te rejoins complètement michel euh, si, euh, euh, si j'ai des valeurs et que, je, et, que, et que je tiens et que je veux vivre ces valeurs là c'est précisément être être juste voire même être moral et euh, effectivement je ne vois pas pourquoi il faudrait euh, sortir de là c'est vivre tout simplement quoi tout simplement mais c'est vrai que pour pouvoir vivre et, euh, et euh, éventuellement justement être être solidaire promouvoir la solidarité euh, il faut effectivement avoir l'esprit disponible et donc euh, bah, l'estomac rempli et euh, de fait pouvoir survivre et subvenir Alors, à ses besoins rappelons quoi. que eux ceux qui sont sortis comme Macron hein, puisque apparemment pour beaucoup de gens c'est quelqu'un qui réussit etc c'est quand même quelqu'un qui est capable de vendre à Reva euh, à General Electric, comme il l'a fait, euh, en, dans sa position de ministre, après de revenir, de racheter Areva, de racheter une partie d'Areva deux fois plus cher. Enfin, c'est magouille et compagnie en permanence, mais moi, j'ai pas envie d'avoir ces valeurs-là. Voilà, c'est scandaleux, quoi, je trouve oui moi il me semble qu'il ce qu'il y a, qu a d'important à, à bien distinguer c'est qu'il y a à la fois les les besoins on on, on a tous des des besoins c'est c'est se nourrir hein. c'est c'est boire boire de l'eau' sinon je crois que trois jours après on meurt si si on ne boit plus euh, on on doit s'abriter euh, et ça, ça c'est nos besoins' qu'ont qu tous les, les tous le vivant tous les vivants encore hein. tous tous les les êtres et puis après, il y a le désir, les désirs, et les désirs, moi, il me semble que c'est le capitalisme qui nous les a, qui nous les a imposés. Hein, parce que ce désir, par exemple, de consommation, euh, d'avoir plein de choses dans la, dans la surabondance, euh, voire faire un crédit pour partir en voyage, ou je sais pas, enfin, des, des tas de choses qu'on nous crée. Et là, après, c'est de, de la manipulation. C'est de la manipulation. Oui, c'est de la manipulation. Ah bon, mais et, pourquoi tu as dit ce mot-là Et, et on, 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 parle de, on parlait de merde, mais c'est le capitalisme qui est une merde. Parce qu'il nous fout dans la merde. Alors, on en arrive tout naturellement à ton quiz. Ah, quiz Denis. Oui. Hein Alors, il y a 15 jours, j'ai posé des questions. Je suis pratiqué à tout âge. Parfois, on m'utilise inconsciemment. Je peux avoir des conséquences très graves. Je suis très pratiqué par les politiques, mais pas que. Alors, voilà, les manipulations. C'était la manipulation, les manipulations. Alors, il y a toutes sortes de manipulation. Alors, la, manipula la manipulation par l'image, donc les médias, la publicité, les tendances, la mode. La manipulation par la désinformation et le mensonge. Alors c'est les médias, c'est les, les sondages, c'est c'est aussi les, 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 les manifestants. Les manifestants que quand la police et, et les syndicats comptent, c'est complètement différent. Les manipulations par le mensonge et la, per, la persuasion, répéter de nombreuses fois la même chose pour arriver que les gens le croient et croient que c'est vrai. Puis surtout, alors ce qu'on disait, c'est des, des élites en fait, des élites, des, des, des prétendues élites qui, qui viennent en plus les, les, les conforter, manipuler les chiffres. Alors pareil, le nombre de manifestants, mais pas que. Euh, il y a tous les sondages, il y a, il y a tous les, 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 les le, 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 le PIB, le, voilà, tous les chiffres qu'on nous annonce, qu'on nous abreuve et qui sont pas toujours et loin d'être justes. La manipulation par la flatterie ou la dévalorisation euh, entre conjoints déjà. Dans les couples, il y a, ouais, des fois ça arrive malheureusement. Et puis aussi, euh, par les supérieurs dans les entreprises, des fois, on, est on nous rabaisse pour, pour mieux nous manipuler. La manipulation par le chantage. Alors, chantage, ben, ça se fait à tous les niveaux, le chantage. Hein. Euh, on, on fait du chantage à nos enfants. Si tu es gentil, tu auras une sucette, disons. <laughs> à l'école, ben, avec, les, avec les notes, avec les bons points. Voilà. Et de toute, toute sa vie, on, on nous fait chanter. Et puis les, les promotions, évidemment, quand on travaille. Et puis la, la manipulation par l'enseignement. Alors, l'enseignement, oui, ben, souvent les programmes. Euh, on peut euh, faire euh, voilà, dévier, enfin, inculquer des choses qui ne sont pas toujours justes et, et bien réelles. Des valeurs. Ouais. <laughs> ouais, des valeurs. <laughs> qui n'en sont pas forcément. <laughs> ouais. Est-ce que, est que je peux te parler d'une manipulation ouais. qui m'a qui scandalisé récente Oui, vas-y. Alors en fait, euh, vous savez que le 8 mars, euh, euh, Macron a rendu hommage, un hommage national, à l'Élysée à Gisèle Halimi. Et donc, euh, il rend cet hommage en pleine période de manifestation contre cette réforme des retraites. Réforme des retraites qui impacte surtout les femmes qui se retrouvent avec des carrières hachées et, et donc euh, qui se retrouvent dans une mouise pas possible et qui ne s'en sortiront pas mieux avec cette réforme, hein, loin de là. Et donc, il euh, y a le fils de, de Gisèle Halimi, Serge Halimi, qui dénonce cette, euh, la façon dont Macron est en train d'essayer de récupérer l'image de sa mère qu'il trouve ça scandaleux et en plus il fait partie d'une association qui s'appelle choisir la cause des femmes qui a été créée par Gisèle Halimi. Elle-même avec euh, avec Simone de Beauvoir dans les années 70 et euh, cette cette association euh, dénonce euh, par la voix de de, de sa de, de, de sa présidente mais pas que il euh, y a plein plein de gens qui ont dénoncé cette manipulation politique euh, d'État euh, qu'a fait Macron en, en disant que ils ont ils ont ils ont insulté la mémoire de, de Gisèle Halimi ça va loin quand même hein. euh, voilà c'est à dire on peut on peut arriver en arriver jusque là c'est de l'instrumentalisation l'instrumentalisation la manipulation la manipulation est oui, encore en pleine manipulation j'ai pas fini ma liste mais ben, c'est l'heure de vous quitter t'as pas fini a, allez à plus au ciao voir. au revoir, au revoir.